Allez, ça tout le monde, c'est Tazorik Peracia, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 397 de notre aventure 100% sur Hyrule Warriors, l'ère du fléau. J'espère que vous allez bien. Ben écoutez, pour ma part, je vais très bien. Souvenez-vous de l'épisode précédent, on avait continué nos missions de combat dans lequel, souvenez-vous, on avait fait le fameux orage grondant des Gerudo à mode normal. Donc allez voir l'épisode précédent si vous ne l'avez pas vu. Aujourd'hui, on s'attaque à la défense de l'étape avec Zelda et Ron boss Foramus, donc on va directement se préparer tout simplement. Donc avec Zelda, j'ai dit Iron boss Foramus, donc les amis, ça faisait longtemps que j'avais pas contrôlé Iron boss Foramus, donc il faut quand même un petit peu. On contrôlera du coup les autres arcs et tout les fois prochaines. Je voudrais juste, alors question avant toute chose 5, ouais non c'est bidon, même si c'est un truc à plus, ouais non ok. Bon, on va, vous savez quoi, ah oui c'est vrai que avant de faire ça, il faudrait du coup, ouais 37 c'est le meilleur ici, ok. Alors, il me faudrait, si possible, arriver à trouver un truc à plus 5. Attendez, avant que je fasse ça, tac. Ok. J'ai pas de truc plus 5. Hein. Attendez, c'est con ce que je vais faire, mais j'aimerais bien voir un petit truc. Ah, ben voilà, un truc à plus 5. Oui, vous allez dire, mais ça sert à quoi? Mais en fait, ça, au cas où, ça me sert à gagner plus d'expérience quand on fusionnera avec l'autre arme, avec l'autre surcadenceur. Voilà, surcadeur. Oui, c'est ça, surcadenceur. Donc, c'est très important. Donc, on va encore fusionner. Ouais. C'est vrai qu'on peut tenter aussi de fusionner avec les arcs, mais l'arc, j'aimerais bien le garder pour les fois prochaines, quoi. C'est possible. Enfin, si c'est possible. Alors, du coup, on va la lock. Parce que là, du coup, on est à peine niveau 21. Parce que l'arc, honnêtement, regardez. Si on s'équipe de ça, à mon avis, le truc à 4,78, on peut l'enlever. Ah ouais, on peut l'enlever de large, quoi. Donc, le truc, en fait, ça, c'est parfait. Il faudrait juste que j'arrive à l'enlever, le saut. Je pense qu'on enlèvera le saut. Ouais, quand on s'attaquera avec l'arc, on enlèvera le saut. Et comme ça, on se l'équipera, enfin on mettra du coup cette arme là sur là. Et du coup, je pense qu'on gagnera un petit peu plus de trucs parce que cette arme est beaucoup plus intéressante que celle-là. Donc ouais, je pense qu'honnêtement, ça va permettre de faire pas mal de petites choses. Bon, ben voilà, au moins on est équipé. Je vais juste du coup le conserver pour m'en souvenir. Comme ça, au moins c'est fait. Et je pense qu'on peut partir, non? Ouais, écoutez, on a... Ah, par contre, il serait très bien de s'équiper du surcadenceur et aussi... Comme je vous ai dit, avec Ron boss Foramus maintenant. Il est où notre Ron boss Foramus? Il est là, niveau 80. Ouais, par contre, ah, c'est vrai, le truc est niveau 25 aussi. Ouais, avec une arme ultra pétée. Du coup, alors, il n'y a pas autre chose. Non. Bon, pas le choix. Parce que de toute façon, il faudrait tenter de la monter au moins jusqu'au niveau 20. Pour tenter de la faire fusionner avec le 25, et à mon avis, avec le 25, on pourra faire quand même pas mal de petits trucs, enfin, assez sympas. Honnêtement, je pense qu'on pourra peut-être faire des trucs assez sympas, donc voilà. Bon, bah écoutez, au moins c'est fait, on aura un petit peu augmenté un petit peu tout ça. Et du coup, bah c'est parti, on va pouvoir se lancer, donc à la défense de l'étape. C'est bien ça? Oui, c'est bien ça. Alors, l'étape a été dévastée par des monstres et ses habitants sont très ennuyés. Attendez, l'étape a été dévastée, ok, bon. Ok, l'étape a été dévastée par des monstres et ses habitants sont très ennuyés. Défendez les avant-postes de chaque zone et chassez les monstres. Donc, en ennemis principaux, il y a un inox, des moblins de feu, des moblins de glace, des bokoblins et des bokoblins bleus. Bon, ça on s'en fout, ça on s'en fout. Bah écoutez, les amis, c'est parti. On s'équipe en premier de Zelda et en second de Ron boss Foramus. J'accomplirai mon devoir de souverain. Et puis voilà, on va pouvoir partir. Alors, normalement, du coup, là, ouais, il nous manque plus qu'un dernier réceptacle de cœur à avoir et on aura tous les réceptacles de cœur, mais ça sera à mon avis pour le niveau 100. Donc écoutez, hein, on est déjà ultra pété là. On n'a pas de soucis à se faire. Commencez la bataille.
Alors, ah oui, d'accord. Ah oui, d'accord, je comprends pourquoi c'est aussi grand alors. Ah oui, donc ils sont. Oui, c'est divisé en deux parties, d'accord, je viens de comprendre. Ah oui, d'accord, c'est vrai qu'il faut défendre les avant-postes. D'où ça? Vous perdez l'avant-poste de la ville. Ah oui, je m'en souviens. Je m'en souviens. Donc il faut vraiment alterner avec les deux, quoi. Non. Oh, t'as de la chance. Allez. Ah là. Allez, s'il te plaît. Tu crèves. Boum. Maintenant, on va envoyer Zelda sur le sorcier de glace. Et nous, on va contrôler Ron Bosphermus. Ok. Tu crèves. Oh oui. Alors du coup, là, on y va directement affronter le sorcier. Ok, tu crèves. Belle esquive. Et on va tenter d'affronter l'autre sorcier qui est tout en bas. Non. Oh, le bâtard. Ah, ah bah super, je... D'accord, ici, il y a un cul-de-sac. Oh, bah c'est bien de se faire baiser comme ça, je vous jure. C'est vrai que c'est assez dédale quand même comme zone, hein. Alors on y va. T'as de la chance, hein. Non, c'est pas du tout ce que je voulais faire. Ok. Le mobile bleu, tu dégages. Nous, le sorcier électrique. Eh, le bâtard. C'est bon? Merci. Déjà, en termes de sorcier, ici, c'est terminé. Ok. T'es bon, tu crèves. Enfin, on a bien géré, là. Le petit combo parfait. S'il te plaît, on va aller vite aider la main poste, parce que... Il commence à y avoir du monde. Mais alors... Hé hey, hé, tu restes calme. Allez, go. Ok, maintenant il m'en plus que l'autre. Oh, il y en a deux. Oh, what the fuck. Hé, hey, doucement. Ok. Allez, monte. Ah, non. On te renvoie la balle. Boum. Oh putain. C'était instant, hein. Ok, ça continue d'apparaître. Donc là, on va rester là. On va ordonner à Zelda de rester là. Et du coup, avec Ron Bosphoramus, on va tenter d'éliminer le Moblin qui est là. Eh hey, non. Eh. Hey. Vas-y, viens. Tu meurs. Puis on a bien esquivé. Hein. On a bien esquivé là. Boum. Ben voilà. Pas encore suffisant. On y va. Eh, hey, le bâtard. Viens ici. Ok, tu crèves. En fait, il y a tous les moblins qui se ramènent vers ici, donc... Ok, l'inox est apparu. Un inox est apparu sur le champ de bataille. Il est apparu ici. Mais... Hey, oh... Oh... Ok. Désolé pour toi. Ok, maintenant on va tenter de défoncer l'inox. Pas besoin de coup fatal actuellement, je pense, là. On va rester comme ça. Est-ce que ça suffira? Oui! Putain, là, one shot, quoi. Hé, hey, hé, hey, doucement. Non. Hé. Hey. Putain, le bâtard! Et non, mais je vais pas y arriver. Allez, go. Merci. Boum. Eh bah putain, on va y arriver. Allez, non. Tu
tu meurs. Belle esquive. Ça va, on gère. Honnêtement, on est en train de gérer. Slash. Un inox est apparu sur le champ de bataille. Ouais. Avant tout, avant de qu'il apparaisse, est-ce qu'il y a moyen de les faire réunir? Ok, je pense que là, on peut tenter de tout défoncer. Ouais, on va tout défoncer. Bon, bah voilà, c'était instant. Allez, l'inox maintenant. Oh, le bâtard, j'ai pas eu la chance. Malheureusement, je l'ai fait un peu tard. Oh, le bâtard! Oh, le bâtard! Vas-y. Allez, tu crèves ou pas? Non. What the fuck? Allez. Allez, et tu meurs. C'est bon. Je vais la placer, cette bombe. Et ben voilà, on a réussi. Bon, ben voilà. Épisode 397 qui s'achève. Bon, ben on se retrouvera du coup demain pour l'épisode 398. Oui, des rubis. Donnez-moi toujours des rubis. Ah, ok. Et Mifa, parfait. Bon, ben tant mieux. Tant mieux, tant mieux. Donc, on va peut-être pouvoir s'arrêter là. Donc, demain, ben, à mon avis, on continuera l'émission de combat. Ou on fera du coup la lune de sang. Voilà, tout dépend de. Tout dépend hein, de la RNG. Ah non, malheureusement, il n'y a pas de lune de sang. Et voilà, une puissante menace a disparu. Donc, la prochaine mission de combat, les amis, ça sera... ok, ça sera tout simplement... on va aller voir, c'est la Grande Fée des Neiges. Donc, on ira contrôler bah, Noya, vu que c'est une grande fée. Donc, on ira contrôler Noya tranquillement. Bah, les amis, merci de m'avoir suivi pour cet épisode. Et on se retrouve du coup, bah, comme je vous ai dit, demain pour l'épisode 398. D'ici là, portez-vous bien. Ciao tout le monde. Hey, peace.